Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4. En tant que groupe terroriste, nous y sommes. Donc, on est toujours avec le Jihad Total qui ont pris toujours cette ville, mais qu'on laisse parce que ça ne sert strictement à rien de la prendre. On a eux là, qu'est-ce qu'ils font eux? Bah alors, revenez chez vous. Qu'est-ce qu'ils font? Au pire, prenez cette ville. En tout cas, le califat djihadiste, ils ont du mal hein, avec ces villes. Moi, je vais reprendre le port. On va commencer. Alors, ici, il y a l'Union Touareg qui m'envoie ça. Ok. Why not? Tac. La bataille de Tatati. On a repris cette bataille. Notre attaque frontale. Califat djihadistes font retraite. Même dans cette ville, il n'y a plus personne. Donc on pourrait en le. Attendez, on est en train de prendre ce port. Ce port va être important. Sachant qu'on l'a perdu. Là, on est en train de le reprendre. C'est quoi ça? C'est le djihad total. On a énormément de pick-up. Et ça fait plaisir. C'est dingue ça. Il s'est auto-tué le con. Ah non. La ville est à nous. Hop. Parfait, donc ce terminal pétrolier est à nous. On va essayer de reprendre, pourquoi pas, cette ville qui pourrait être à nous aussi. Donc on est en train de reprendre le port. Déjà le terminal pétrolier il est super important d'un point de vue stratégique et au niveau de l'argent. La bataille de Foukaya. Ah, l'armée. L'armée a pris son envol. Tac. Et non. J'étais vaincu. Ok, attention. Il y a l'armée qui est en train d'envoyer aussi ses troupes ici. Alors, ici, on a une petite bataille. Ok. On va essayer de prendre. Ouais, d'accord. C'était insensé. C'est insensé d'être sans. C'est insensé d'être insensé. C'est beau ça quand même. Tac tac tac. Ok. Ah. Le reste est en train d'entrer. Donc faudra qu'on prenne cette ville. Certes, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il faudra qu'on la prenne. C'est important. Il y a encore des mecs qui veulent me prendre ici. Hein. C'est dingue. Ils veulent pas lâcher. On va essayer d'envoyer deux tanks pour faire une petite immersion de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Surtout que c'est ce territoire, je voudrais l'avoir. On va toujours demander encore au. À la Libye, si elle veut bien nous rendre indépendante. Même si j'y crois plus trop, mais bon, hein, il faut forcer un petit peu les choses. Ils ont que un truc. Oh! Votre interlocuteur a accepté! Oh! Mais attendez, mais quoi? C'est ça ma ville? Mais je détiens ce territoire. Bon, je ne sauvegarde pas, hein. De toute façon, s'il y a un moindre problème. Stratégie offensive vis-à-vis du Niger.
Ah bah voilà. Tout est bien qui finit bien. En plus, je suis aimé. J'ai un déficit énorme. Ok. Attendez, mais le Parlement, il est... Déterminer le pouvoir du Parlement. D'accord. Donc je suis vraiment une démocratie en fait. Voici donc. La ville est tombée. Ah bah voilà! Là, ça ressemble à quelque chose. Ah! Donc notre pays s'appelle Tobruk District. Putain, Nos petits gars ont fait... on dirait une ville. Ah merde, mais il y a la Libye. Mais quoi? Attendez, tout ça m'appartient. Mais il y a la Libye là-dedans. Et la Libye, elle m'a... Oh, mais regardez la Libye! Oh, mais elle ressemble plus à rien! Oh, c'est tellement beau! C'est tellement beau! Et moi, je suis en guerre contre qui? Ah! D'accord. Ah, le terminal pétrolier, il est encore à... D'accord. Waouh! C'est énorme! Moins 25% finances publiques. Non mais c'est totalement buggé. Je suis à moins 25%. Oh là 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 là. Le Niger lance un ultimatum à l'ONU. Mais j'ai fait quoi? Bonne La dernière couverture. opération de nationalisation de services publics. Mais pourquoi j'ai des grèves? Mais ce jeu n'a aucun sens! Mais y a aucun sens! Attendez, je viens tout juste d'être indépendant et ils me font tout chier! Grève illimitée pour s'opposer à la guerre. La ville est tombée. Mais quelle guerre? J'ai pas déclaré la guerre, moi. Oh. Je vais échouer par rapport à ça. La ville est tombée. Comment ça se fait que l'ONU peut me faire ça alors que... Nous Pff, sommes dans une impasse. ah bah bien sûr, c'est facile. Non mais c'est injouable. Mais je suis en excédent budgétaire. Mais Nos petits gars ont... c'est une blague? Et je repasse en défi. Et j'ai une croissance de 42%! Mais la Libye va te faire enculer! J'ai personne dans mon bunker. Oh! Mon Dieu, j'ai pas de soldats. J'ai rien du tout. J'ai que des tanks. C'est quoi Nos ce petits gars jeu? ont... On ne comprend rien. Mais vraiment rien. Ah, j'ai un petit soldat là. Wouh! Bien joué. Je ne comprends rien. Nos petits gars. J'étais en excédent, je suis en déficit. J'ai 19% de PIB. J'ai des grèves. De... je sais pas pourquoi. Je suis en guerre avec le Niger. Contre le Niger, pardon. Mais ce territoire, il m'appartient ou pas? Bah non, alors. On s'en va. Partez. Ce territoire ne nous appartient pas.
La ville est tombée. Bah oui, la ville ne nous appartient pas, donc revenez chez nous. Bon, c'est bon? On peut reprendre le jeu ou... Ou non? Ah, par contre... Je suis vraiment une démocratie en fait. Et ça me... Ah, mais c'est en Libye où ils ont des grèves! MDR! Oh, et les bâtards, ils sont en train de prendre mes villes! Mais allez dans cette ville là, ils ont pris ma ville. Et ici aussi, ils sont en train de prendre ma ville. Oh, mais c'est génial! Attendez, on va investir dans l'armée. J'ai que 18 soldats! C'est tout! Il faut augmenter tout ça! Pas grave pour le déficit. D'ailleurs, ça m'étonne que ça lag pas. Nous faut plein de soldats, s'il vous plaît. Recruter des soldats, c'est la chose la plus importante qu'on ait à faire. Par contre, notre monnaie là. Ah oui, on a une inflation énorme. On a 42% de emploi. Finances publiques. Ben, ça fait pas plaisir, ça c'est sûr. Travail. Hé, je suis plus au chômage, moi. J'ai plus de chômage. Monnaie. On augmente les taux. Ah bah oui, ça coûte cher. Relève-moi des taux d'intérêt. L'armée. Vous savez bien que dans nos services, la... Sincère salutation. Mais c'est génial! Pour le moment, tout marche. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? Oh, mais c'est en millions ça. Ou c'est en milliards? Non, c'est en milliards. Impôt sur le revenu. Les riches, vous allez payer un poil plus cher. Ah. Ah. Même d'un peu, vous voulez pas? Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire payer? Ah, l'impôt sur les sociétés, faut pas abuser, c'est trop cher. Ils me font chier, eux. Mais ils vont faire jamais passer mes lois ou quoi? Taxe sur les produits pétroliers. Ça fait chier tout le monde. Ah oui, je comprends. Les transactions financières. On en a besoin de cette taxe. Désolé. Bon, ça me fait chier là. Les activités polluantes. Arrêtez de polluer, pas bien. Pas gentil. Ah bah voilà, eux ils sont contents. Taxe sur la déforestation. Il n'y a rien à déforester chez moi. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a quoi à déforester? Je produis du pétrole. C'est pas mal le pétrole. Bon, au niveau de l'armée, ça recrute. Total. J'ai pas de réserviste. J'ai rien du tout. Et ils sont en train d'envoyer tous leurs soldats alors qu'ils ont le califat djihadiste et tout. Capitulation de la Nos petits Libye. gars. Bah j'ai même pas demandé qu'elle capitule, hein, ta Libye, bah d'accord. Bon bah qu'elle capitule, hein. J'ai juste demandé mon indépendance. Ils ont capitulé. C'est pas logique. Je vais le mettre en colonie, la Libye. Parce que c'est tellement moche. C'est tellement moche que... Non, je vais le mettre en colonie. La Libye sera ma colonie. Ouais, je te colonise.
C'est nullement logique. Il n'y a pas de logique à rechercher. Voilà. La Libye, c'est ma colonie. J'ai gagné. Ah putain. C'est quoi mon alliance que j'ai avec eux? C'est tellement illogique ce jeu. Mais c'est tellement illogique. Reconstruisez-moi la capitale, s'il vous plaît. Mon déficit perd. J'ai une augmentation énorme due à plusieurs facteurs. La Libye, certes, ne ressemble plus à rien. C'est pas grave. Parce que je suis toujours en guerre contre le Niger. Par contre, au niveau de mon inflation, ça me fait un peu mal. Aux fesses. Même à tout. Donc, va falloir faire quelque chose. Ah, mais maintenant il y a des grèves chez moi. Mais c'est qui se rebelle? Y a personne. Les préparer. Vas-y. Bon, le califat djihadiste, là, on se calme, hein. Capituler face à une organisation terroriste? Mais jamais, hein. T'as cru quoi? Soldat. Soldat. Mais quoi? Ah, le jeu totalement illogique. J'ai demandé mon indépendance, la Libye a accepté. La Libye est en guerre contre moi, la Libye. La Libye a capitulé face à moi. Mais où est la logique? Et là, on me fait la guerre. Le Soudan m'attaque. Parce que ils ont fait passer le truc. Et l'Iran aussi. La Turquie aussi. Le Maroc. Les mecs. J'ai rien fait. C'est stupide, vous m'attaquez pour rien en fait. Vous êtes con, vous êtes con. Ah oui, ils sont cons, hein. Bon. Pour le moment, je suis toujours pas mort. bon. Le Niger m'attaque. Alors ça c'est drôle, hein. J'ai rien demandé, hein. Moi je suis un nouvel état et tout le monde m'attaque. Ah là 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 là, logique. Bon, il faut que je demande, faut que je fasse un petit truc avec eux là. Par contre, faut que je diminue ma croissance parce qu'elle est énorme. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Donc il faudrait peut-être augmenter la TVA. Ok, on va juste l'augmenter de 1. Voilà, c'est fait. Hein? Allô, ils arrivent. Je suis pas prêt, moi. Suis pas prêt du tout. En fait, les pick-ups sont devenus des tanks. Donc j'en ai énormément de tanks. C'est génial.
Je suis un excellent budgétaire. Wouh! Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode un peu n'importe nawak. Alors, si dans le prochain épisode ça ne marche plus, bah, on fera autre chose. Mais c'est ce let's play dingue de A à Z. Alors là, je suis moi-même étonné de ce que ça a été. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc ben voilà, hein. Heureusement que c'est en vidéo, comme ça vous pourrez voir un petit peu la stupidité un petit peu du jeu. Mais c'est très stupide. Très très stupide. En tout cas, ben, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde. Don't have it in mind.